L'utopie, c'est ce qui n'existe pas encore, mais qui est à la fois nécessaire, juste, désirable, pensable, possible, évident. Lorsque le 1er février 1954, ou lorsque le 28 août 1963, un abbé et un pasteur qui sont derrière moi ont pris la parole, comme vous allez le faire ce soir, ce qu'ils disaient était une utopie. Lorsqu'ils ont dit « j'ai fait un rêve », ça ne voulait pas dire qu'ils planaient, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient à 6000 mètres au-dessus des contingences humaines. Au contraire, ils étaient au plus près de ce qui était nécessaire, juste, désirable, évident, pensable et possible. Encore fallait-il en trouver le chemin. Et c'est la parole qui fraye la première, ce chemin. C'est votre rôle et nous vous écouterons ce soir avec toute l'attention que mérite la voix de ceux qui essayent de se frayer un chemin dans la vie pour que la vie soit plus belle et plus vivable. Nous méritons un monde plus éclairé pour pouvoir briller. Plus d'égalité dans nos vies en bourgeons à partager. Et peut-être même un beau jour fleuri nous rencontrer. Le racisme. Il maudit la différence. La punit. Sans raison. Il fait jaillir sa haine, sombre et sans limite, d'une manière irrationnelle. Chaque année passée à l'école augmente le futur revenu d'une jeune fille africaine de 10 à 20%. De plus, si elles ne savent pas lire, elles ne pourront pas suivre les recommandations médicales, ce qui mettrait leur vie, ainsi que celle de leurs enfants, en danger. Mais surtout, toutes ces jeunes filles non scolarisées ne pourront pas prendre part au développement de leur pays. C'est donc aussi un risque pour le développement de votre pays. Et pourtant, savez-vous combien de Français sont donneurs ? La dernière étude réalisée pour l'établissement français du sang, mettait en avant des résultats surprenants. Alors que 90% des Français se disent d'accord pour donner leur sang, seulement 4% le font réellement. Quant aux dons de moelle osseuse, n'en parlons pas. Le fichier qui recense les volontaires compte 280 000 inscrits en France. Contre près de 6 millions en Allemagne. Je crois que le rôle de l'État est d'assurer les services qu'il doit à ses citoyens tout en investissant sur le très long terme pour sa propre prospérité, tel un bon père de famille. Le bon père de famille veille à l'éducation, à la santé, à la sécurité et au logement de ses enfants sans aucune stratégie économique. Il ne s'endette pas outre mesure pour consommer plus que ce dont son foyer a réellement besoin et est le garant d'un équilibre entre ressources et dépenses. Avons-nous appris à travailler le fond de notre discours ? Avons-nous appris à trouver des arguments fiables et fondés ? Non. Au contraire, il nous a été enseigné à défendre n'importe quelle position en argumentant de manière logique et avec aplomb. La sincérité de nos arguments dépendant uniquement de l'éthique de l'orateur. Il en est de même en politique. Il est malheureux de voir que la forme l'emporte sur le fond, que le paraître passe avant l'être. Mais au contraire, les jeunes vont à contre-courant de ces idées reçues, de ces stéréotypes. Ils utilisent tous les moyens à leur disposition et la chance qu'ils ont de vivre au XXIe siècle pour faire bouger les choses. Le premier exemple est le défi écologique. En effet, les jeunes mesurent tout le défi que représente le réchauffement climatique. Ils y emploient tout leur enthousiasme, toute leur créativité pour trouver des solutions.
Women. The need to compete with men has provoked a constant competition between women themselves. Women compare, undermine, and judge each other all the time. And society has given to women the image that they can only achieve something if it's with a man by their side. Okay, imagine you're in a restaurant, you're having dinner, and this gorgeous woman walks through the room. What's your reaction? Now imagine you're a man, and a very handsome dude walks through the room. What's your reaction? Probably don't even realize it. So raise each other up, and don't let the pressure of achieving lead to the destruction of your peers. Oui, l'enseignement meurt parce que nos enfants renoncent à devenir professeurs. Aujourd'hui, cette vérité n'est que peu visible. Mais dans 20 ans, qui seront nos professeurs ? Nous en aurons, certes, mais à force de renoncement. Devrons-nous recruter par défaut ou pourrons-nous encore sélectionner des femmes et des hommes passionnés par ce métier ? Pour le savoir, il suffit de se mettre à la place d'un lycéen classique confronté au choix d'une vie, l'orientation. Dans la société dans laquelle il vit, la nôtre, le succès est relatif à l'argent, au pouvoir, au confort. Il faut faire les meilleures études possibles, prépa, école de commerce, pour les mettre au service d'une longue carrière, passer à vendre, produire, pour consommer toujours plus. Tout est classé, tout a un prix. On se hisse dans les hautes sphères du monde économique et politique, car après l'argent vient le pouvoir. Il faut gagner, écraser, tout est instantané, noté, partagé. Dans l'optique de finir sa vie, dans le confort d'une vie matérielle accumulée en 40 ans de carrière, en repensant finalement à sa jeunesse où l'on rêvait pour de vrai.